Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kala Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga. सुख पावे मेरु मन अनत कहां सुख पावे मेरु मन अनत कहां सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे फिर जहाज पर आवे मेरो मन अनत कहां सुख पावे मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे सूरदास प्रभु कामधेनु तजी सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहा जहाज
Jananam sukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam Kalavashyadiha sakalam karunam samayadipate akilam karunam Namaskaram à tout le monde, où que vous soyez. Donc, j'espère que vous avez pris soin de vous cette semaine. Parce que pour tout le monde, ces jours-ci, toutes les nouvelles sur les chaînes d'information tournent autour du virus, toutes les conversations dans le monde tournent autour du virus, les médias sociaux sont pleins de virus. Donc j'ai pensé que j'allais parler de l'être humain un peu. Alors, un petit poème pour vous. Il s'appelle « Humain ». Even when at home, I longed for home. Even when at home, I longed for home. Searing pain of longing for home strangely got cured in being homeless. Searing pain of longing for home strangely got cured in being homeless. When the walls of home dissolved, a pristine home, unwalled, unfettered, and devoid of love, affection, or companions blossomed, shall I call it my being? Si je ne l'ai pas bien lu, il est là-haut pour vous. Wow. Eh bien, selon le plan, en Inde, nous sommes censés mettre fin au confinement le 17 de ce mois, juste dans une semaine. Le Royaume-Uni l'a déjà prolongé jusqu'au 31 mai ou au 1er juin. Aux États-Unis, bien sûr, les gens se battent pour la liberté. La liberté d'aller chez le coiffeur. En Inde, nous avons essayé d'assouplir un peu. Les gens se battent pour la liberté de se saouler. Il y avait quelques espoirs, parce que certaines études scientifiques, on peut dire que c'est une étude, on peut aussi parler d'une sorte de théorie scientifique qui dit qu'un certain gène ou génome, ARC, qui aurait pu avoir une influence profonde
sur la croissance de notre cerveau et le développement de ce que nous sommes aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'années, a été largement provoqué par un virus. Mais en regardant le comportement humain avec un assouplissement partiel, ce virus ne semble pas avoir fonctionné comme ça, a provoqué une explosion d'intelligence nouvelle. Ça ne s'est pas produit. Avec un peu de chance, le virus va muter en ce type de virus qui produit un plus haut niveau de puissance cérébrale. Eh bien, il est également remarqué que dans le développement des mammifères, qui sont actuellement classés comme le plus haut niveau d'évolution sur la planète, le développement et l'évolution de la capacité de produire du placenta, on pense que c'est le virus, il y a quelques centaines de millions d'années, qui aurait pu déclencher ce processus chez des mammifères très primitifs qui existaient à cette époque. C'est la base permettant aux nutriments de passer de la mère à l'enfant, et donc un enfant complètement formé. Un enfant complètement formé qui naît, que ce soit un être humain, ou une vache, ou un chien, ou tous ces mammifères, c'est devenu possible principalement en raison du développement du placenta. Et cela aurait pu être provoqué ou a été provoqué par un certain virus il y a des centaines de millions d'années. Donc vous ne savez pas quel trésor ce virus vous réserve. Peut-être que votre cerveau va se développer ou que quelque chose d'autre va se produire. Peut-être que vous allez développer une corne. Parce que les gens tuent les rhinocéros pour une seule corne. Une seule corne, pas même deux. Donc si vous développez votre propre corne, peut-être que les rhinocéros feront la fête. D'une certaine manière, on ne sait pas quels avantages en sortiront, mais pour le moment, ceci est arrivé. Shankaran Pillai va à Mumbai car il a trouvé un emploi là-bas, pas maintenant, avant le virus, avant l'ère du virus. Et il a décroché un emploi, il travaille, mais il n'a pas d'endroit où loger, il cherche un appartement. Il veut juste un appartement avec une chambre quelque part. Des soirées entières, jusque tard dans la nuit, et tôt le matin, tous les jours, il va d'un endroit à l'autre, voulant trouver un appartement. Ce n'était pas une époque où l'on pouvait tapoter sur un clavier et quelqu'un trouvait un appartement, vous deviez physiquement partir à leur recherche. Au bout d'un mois de recherche, pas d'appartement. Comme il dort sur la plage, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, tôt le matin, il se promène sur la plage et il voit un petit bateau sur le sable. Il le ramasse et le frotte juste avec sa main. L'eau, un génie en sort. Alors, Shankaran Pillai dit, « Oh, un génie, tu es venu. S'il te plaît, trouve-moi un appartement à Mumbai. » Le génie dit, « Espèce d'imbécile, si je pouvais te trouver un appartement, est-ce que je vivrais dans ce minuscule petit bateau ?» Donc ceux d'entre vous qui cherchent une baguette magique pour se sortir de la situation du virus, il n'y a pas de baguette magique. Des actions très conscientes et responsables sont nécessaires de la part des particuliers, des entreprises, de l'État, du monde, c'est ce qui est nécessaire. Une bonne chose ou une chose qui s'est produite. Je retire le mot « bon » car beaucoup vont m'attaquer. Une chose qui s'est produite, c'est que tous les lieux de prière ont été fermés. Et de nombreux chefs religieux se sentent très menacés en ce moment parce que
Si les gens apprennent à vivre sans Dieu et plutôt bien, ça va devenir dangereux. Ce sera la destruction d'une industrie majeure. Six semaines, si vous pouvez vivre sans voir votre Dieu, sans communiquer avec lui, sans demander ceci ou cela, ni même le pain quotidien, si ça a quand même eu lieu, alors vous pourriez devenir suffisamment confiant pour marcher seul, vous savez. Très dangereux pour l'industrie. C'est une industrie majeure, vous ne pouvez pas la laisser mourir comme ça. Mais toutes ces choses se produisent. Comme vous, beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, parce que ce n'est probablement qu'en petit comité que j'en ai parlé. Ceci est un mouvement de la religion à la responsabilité. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont vécu ici avec des responsabilités quelque part très haut dans le ciel. On ne sait pas où. Il est temps que la responsabilité humaine se déplace ici, pas ailleurs. Donc je pense que ce virus, d'une certaine manière, aide notre mouvement pour faire passer l'humanité de la religion à la responsabilité. Si la religion propage certains aspects du processus spirituel pour des personnes individuelles, c'est bien, car chaque religion, à un moment donné, a commencé comme un mouvement spirituel, puis s'est organisé, et est devenu super organisé, et est devenu tout à fait autre chose. Donc, je suis sûr que dans chaque religion, il y a des éléments du processus spirituel. Si ces choses sont mises en avant, c'est bien. Mais ce dérangement quotidien de Dieu que vous appelez prière, ce conseiller autoproclamé de Dieu tous les jours, que doit-il faire aujourd'hui? Parmi tous les gens, je pense que Dieu devrait être le plus heureux avec le virus. Parce que pendant 6 semaines, personne pour le déranger, vous savez. Cela ne s'est plus jamais produit depuis longtemps, pas depuis à peu près 2000 ans. Donc, il y a de nombreux côtés positifs. Si vous êtes du côté du Créateur, pour vous aussi, beaucoup de points positifs. La seule chose est que l'on va peut-être devoir apprendre à vivre avec un peu moins, ce qui, je pense, est merveilleux si nous apprenons tous à le faire. Oui, vous tous, je vous le dis, vous devez tous apprendre à... N'attendez pas que l'économie ralentisse et ceci et cela. Tous, regardez simplement comment vous pouvez réduire votre consommation de 25%, quoi que vous consommiez. Électricité, eau, vêtements, quoi que ce soit que vous faites, 25% de moins. La nourriture aussi. Croyez-moi, si vous faites quelques petites choses avec vous-même, un peu de sadhana en vous, vous allez devenir une machine très économe en énergie. C'est-à-dire qu'avec beaucoup moins de carburant, vous allez beaucoup mieux fonctionner. C'est ce que toutes les technologies du monde essaient de faire en ce moment. Mais toutes ces technologies sont créées par cette technologie, ce morceau de technologie que nous appelons être humain. Si ceci n'est pas efficace énergétiquement, avec les autres machines qui vont devenir efficaces énergétiquement, un jour, votre voiture pourrait se retourner et dire « Et toi, idiot, pourquoi est-ce que c'est toi qui me conduis ?» C'est pour ça que des machines autonomes arrivent déjà. Parce que dans les 10, 15 prochaines années, les voitures croiront « Nous pouvons mieux conduire que les êtres humains. Je ne veux pas être là ce jour-là. » Donc le virus a de nombreuses possibilités. Si vous réduisez toutes les consommations que vous avez dans votre vie, 25% en moins, votre cerveau fonctionnera très bien. Voyez, ça aussi, c'est dit dans les études scientifiques, qu'il y a quelques millions d'années, le cerveau humain
a commencé à fonctionner grâce à ce génome ARC ou autre. Donc, que le génome vienne ou non, vous, vous étincelez, n'attendez pas l'ARC. Vous devez étinceler pour veiller à ce que... Maintenant, ce virus, une toute petite chose. Le monde a... Vous savez, ceci est arrivé. Il y a bien des années, il y avait un homme sage dans la ville de Coimbatore. Quand les gens nous attaquaient pour rien, ils parlaient de venir avec des camions et de démolir notre ashram, de démolir le centre de yoga. C'était facile à faire parce qu'on n'était qu'une grande hutte. On était juste une hutte au toit de chaume, alors les gens planifiaient, « Venez, on va y aller et tout raser. Pourquoi » Pourquoi? Je pense que même eux ne le savaient pas. Mais comme ils pensaient cette arrogance de la religion à la responsabilité, c'est le pire type d'arrogance qu'ils peuvent imaginer. À cause de ça, tout à coup, les gens s'animaient à Coimbatore et voulaient faire les choses d'eux-mêmes. Alors ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde devient libre, on ne peut pas laisser cela se produire. Donc, au moment où ils parlaient de ça, il y avait un vieil homme sage qui a dit, ne jetez pas de pierres sur cet homme, vous ne savez pas qui il est, si vous lui jetez des pierres, il construira des choses avec. Vous voyez tous les ouvrages de pierre. Je crois qu'aucun bâtiment moderne, quand je dis moderne, qui a été construit au 21e siècle, n'a autant de pierres, parce que beaucoup de gens nous ont jeté des pierres. Donc on s'est dit, on devrait tout faire en pierre. Maintenant, ils me lancent des virus, le monde me lance des virus. J'ai décidé qu'on va devenir viral. Donc, il y a toute une réflexion et une action stratégique et diverses choses qui se passent. Je veux que vous en fassiez tous partie. Une chose qu'on va faire, tout le monde me dit, ne leur dites pas si tôt, Sadhguru, ils vont mourir d'impatience et tout ça. Je pense que je vais vous le dire parce que ça arrive. Donc, nous allons lancer un programme simple mais puissant dans lequel 40 jours avec Sadhguru en ligne. N'applaudissez pas, en ligne. C'est-à-dire que 24 heures par jour, Sadhguru va vous réveiller, Sadhguru va vous accompagner toute la journée, Sadhguru va vous endormir et rester avec vous pendant votre sommeil et vous réveiller à nouveau le matin. Nous sommes en train de concevoir ce programme. Nous allons le lancer lors de la journée du yoga, le 21 juin. Si vous voulez être là, vous feriez mieux de commencer à réserver. Pour le moment, les inscriptions ne sont même pas ouvertes, mais... c'est annoncé, commencez à inscrire vos noms parce que nous allons peut-être devoir nous arrêter à un certain chiffre pour des raisons technologiques. Donc 40 jours avec Sadhguru, cela ne s'est jamais produit auparavant, donc on s'est dit, parce que les gens ne savent même pas comment se réveiller comme il faut et s'endormir comme il faut. Il y a une certaine manière. Vous savez, il y a une certaine façon de démarrer le moteur d'un véhicule. Si vous ne le faites pas bien, il ne fonctionnera pas pareil. Celui qui sait ce que c'est, le fait d'une certaine manière. D'autres vont juste faire boum et leurs machines ne sont que comme ça. Donc, il est important de savoir comment démarrer cette machine le matin et comment la mettre au repos. Vous voulez éteindre votre ordinateur, il y a un processus, n'est-ce pas? Si vous débranchez juste la prise dans le mur, demain matin, quand vous voudrez retravailler, il y aura beaucoup de problèmes. Pareil avec celle-ci. Comment l'éteindre? Comment la rallumer? Il y a une manière. Et comment lui faire traverser la journée? Alors, 40 jours, 24 heures, avec Sadhguru. D'accord?
Alors maintenant que vous savez maintenant que je deviens peintre à plein temps et enseignant spirituel à temps partiel, on s'est dit qu'on allait vous montrer certaines choses. Yes. Which is that one? First one? Okay, let me see it. Telles sont les voies de la vanité. Même une plume trône sur le front d'un homme. De combien de manières stupides un être humain essaie de s'améliorer? Quand tout dans ce monde vous dit que vous êtes la forme de vie la plus élevée sur cette planète, vous avez besoin de ce qu'un oiseau laisse tomber, vous devez le mettre sur votre tête pour vous sentir, et ainsi de suite. Des perles et des os et des plumes et ceci et cela, peut-être un fichu diamant. Parce qu'une plume arrive toute seule, un diamant est une chose satanément cruelle. Alors de combien de façons, de combien de manières stupides et idiotes un être humain se débat pour créer une petite amélioration? Alors, que nous sommes la forme de vie la plus élevée sur cette planète. Donc, si toutes ces améliorations ont échoué et qu'au moins le virus vous a fait réaliser que se promener dans la maison en portant des diamants est une chose vraiment idiote, si vous avez réalisé cela, il est l'heure du yoga. Des questions? Namaskar, Sadhguru. Lorsque quelqu'un est malade, est sur le point de mourir, est-ce le moment de les réconforter et de les consoler, ou bien de leur parler de la mort et de les y préparer? Vous voyez, quand quelqu'un est malade, et si ce quelqu'un n'a... malheureusement, jamais véritablement réalisé que la vie est mortelle et ils ne s'y sont pas préparés. D'aucune façon, en eux-mêmes, si à ce moment-là vous leur dites « tu vas mourir maintenant », ça va être terrible. Eh bien, quand quelqu'un tombe malade, de nombreuses façons, ils deviennent sans défense. Dans cette détresse, ils deviennent comme un petit enfant. Ou, vous savez, ils deviennent comme de petits enfants. Vous aimez énormément un enfant. Il y a deux aspects à cela. Le premier, c'est que le premier, c'est qu'il ou elle est petit et mignon. Un autre, c'est que ils sont impuissants, ça vous plaît. Oui, oui. Si vous avez un mari ou une femme qui est super efficace, tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent le faire eux-mêmes. Non, non, vous n'allez pas aimer cette personne. Vous aurez besoin de quelqu'un qui ne sait pas trouver ses chaussettes. Vous allez vous plaindre, mais ça vous plaît, parce que vous savez que ça, ce sont les contrôles que vous avez sur la vie. J'ai vu, vous savez, une femme parler de... Vous savez, mon mari ne trouve même pas sa brosse à dents le matin, mais elles en sont très fières. Parce que quand il est à ce point démuni, sans moi, il ne peut pas vivre. C'est ça le truc. Comme toutes les relations sont des relations basées sur des besoins, les sociétés ont évolué comme ça. Donc leur dire soudain « tu vas mourir » n'est peut-être pas une très bonne idée. Dans ce pays,
les gens en avaient fait une chose très importante. Les gens ont en quelque sorte dilué cette sagesse fondamentale. Il était très important d'avoir un fils. Pas pour des raisons de discrimination sexuelle, mais parce que la nature et le format de la société étaient tels que si vous aviez des filles, à un certain âge, elles allaient partir. Donc même si elles sont à 10 ou à 25 km de vous dans un village avoisinant, eh bien, elle est enceinte, ou elle a un enfant en bas âge, ou elle a des responsabilités dans cette maison où elle est allée, et elle doit marcher 25 km pour venir, et il n'y a pas de moyen de transport, donc le plus probable, si vous mourrez, c'est qu'elle ne va pas venir. C'est toujours le cas. Nous en sommes de nouveau revenus à cette situation aujourd'hui, car pour la plupart des gens, leurs enfants sont dans un autre pays, ou dans un endroit lointain, et ils ne peuvent pas venir, ou c'est à cause du virus qu'ils ne peuvent pas venir. Donc, à cause de cela, avoir un fils était très important, parce que un devoir fondamental qui était très bien établi dans cette société, et malheureusement oublié aujourd'hui, c'est que dès qu'un parent en arrive au point où l'homme se marie, le fils se marie, dès que cela arrive, l'un des devoirs du fils est d'amener les parents en pèlerinage sur des lieux de pèlerinage. Ce n'est pas du tourisme, c'est pour leur rappeler qu'ils sont mortels. Leur heure approche à grands pas, c'est le moment d'investir dans leur bien-être intérieur. Récemment, il y a eu une vidéo qui est devenue virale dans tout le pays, un homme portant sa vieille mère. Vous avez vu cette vidéo? Parce que ce gars était très malade quand il était jeune et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Mais sa mère n'a pas baissé les bras et elle a prié un certain Dieu avec énormément d'intensité et sans aucun traitement, ce gars s'est rétabli. Donc depuis lors, il veut emmener sa mère. C'est son rêve à elle, dans les lieux de pèlerinage du pays. Maintenant, étant pauvre, il n'avait pas d'argent. Il a juste pris un bambou d'un côté, certaines choses dont il a besoin, des vêtements, ceci et cela, de l'autre côté sa mère, et il la porte et marche de lieu en lieu, partout où elle avait souhaité aller, à travers tout le pays, portant sa mère et une autre charge de même poids à l'arrière, et il marche. Cette vidéo a fait le buzz dans tout le pays. Parce que cela était le devoir fondamental. Avant qu'ils ne deviennent incapables de marcher et de faire des choses, un fils doit les emmener sur des lieux de pèlerinage. Lieux de pèlerinage, pas pour des raisons touristiques, mais pour leur rappeler qu'ils doivent se tourner vers l'intérieur. Eh bien, cela a complètement disparu. Avec nos trucs, on pense que même si vous avez 70 ou 80 ans, vous devez aller au cinéma, vous devez faire la fête, vous devez faire ceci, faire cela, parce que tout ça nous est venu de l'Occident. Même si vous avez 80 ans, vous devez vous comporter comme si vous aviez 18 ans. Maintenant, vous devez aussi être sur les applications de rencontres. Oui, ils le sont, malheureusement. Donc, leur dire tout à coup n'est peut-être pas une très bonne idée. C'est quelque chose que vous ne pouvez juger qu'au niveau individuel. Il n'y a pas de prescription commune. Mais il est important que, avant qu'ils ne tombent malades, il faut susciter ça en eux. Ils ne devraient pas partir avec cette ignorance qu'ils vont vivre pour toujours. Donc, ils vont s'impliquer avec leurs enfants dans une certaine mesure, puis leur propre carrière et leur métier et je ne sais quoi, ils partent à la retraite. Maintenant, ils vieillissent maintenant, ils sont désespérés. Les petits-enfants, où sont les petits-enfants? Comment se fait-il que vous aimiez ces enfants qui ne sont pas encore nés à ce point, quand vous ne prêtez aucune attention et aucun amour aux enfants qui sont dans la rue? Comment se fait-il que vous ayez tant d'amour pour des enfants qui n'existent pas? C'est parce que vous voulez vous impliquer avec la vie une fois de plus, comme si c'était un nouveau départ, parce que ça va vous donner un nouveau bail de vie, un nouveau niveau d'implication, un nouveau niveau d'illusion. Les choses vont continuer pour toujours. Donc si toutes ces choses ne sont pas là, les gens vont devenir frustrés, ils vont perdre la tête, toutes ces choses vont avoir lieu malheureusement. Donc que vous deviez leur dire ou non s'ils sont malades et s'approchent de leur heure,
peut-être pas avec tout autant de mots, mais vous devez créer une atmosphère pour qu'il le réalise. Autrement, vous perpétrez une grande injustice. Vous perpétrez une grande injustice en créant une fausse atmosphère. Tout va bien se passer. Non, non, on va retourner à la maison, tu es à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, on va retourner à la maison, tout va bien se passer. Et puis le mariage de ton petit-fils va avoir lieu dans 5 ans. On va faire... Que va-t-on faire? On va faire un plan. Cette façon d'exister est une ineptie. Il est très important pour chaque être humain que lorsqu'on approche la fin de notre temps, on l'approche de façon raisonnable et consciente, autant que possible. Si vous êtes absolument conscient, il n'y a rien à dire à ce sujet. Ça sera pris en charge. Autrement, ils n'ont pas vécu comme ça, ils n'ont pas cette capacité-là maintenant, mais vous devez créer une atmosphère telle que ça aille dans cette direction. Vous ne pourrez peut-être pas le leur dire directement, ils pourraient devenir terrifiés, prendre peur, et vous savez, toutes ces choses, mais vous devez créer une atmosphère spirituelle. Quand on dit spirituel, quelque chose qui n'est pas du corps, c'est tout. Là, maintenant, la vie vous pousse vers un endroit où il ne s'agit plus du corps. Ils doivent comprendre cela. Mais dans de nombreux foyers aujourd'hui, c'est... J'ai été dans certaines maisons, malheureusement, où ça s'est produit. Ils essaient de cuisiner tous leurs plats préférés et disent « Mange ceci, mange cela. » Peut-être que c'est votre façon d'avancer leur mort. C'est malheureux, encore une fois. Ce n'est pas la façon de le faire. Il est très, très, très important que les préoccupations du corps soient réduites. Pour la nourriture, pour ceci, et le confort, et les vêtements, vous devez les réduire et rendre ça très clair pour eux. Si ce n'est pas avec des mots, en créant une atmosphère montrant que notre heure approche, elle approche pour nous tous. Quand elle approche pour cette personne, il est important que l'atmosphère nécessaire soit pourvue et que toute la famille, ou qui que ce soit qui se trouve là, crée cette ambiance de ne pas les entraîner dans ceci ou cela, mais leur permettre de commencer à aller vers là. Il y a beaucoup de choses simples qui peuvent être faites. Je crois que dans le livre sur la mort, on a traité cela en détail, mais une chose simple que vous pouvez faire, c'est simplement une lampe à huile. Une lampe à huile végétale, ou une lampe au ghee. Une lampe à huile est préférable. Pardon, une lampe à huile végétale est préférable. Une lampe, quelques chants simples, ou quelque chose qui vous rappelle qu'il ne s'agit pas du corps. Si rien que ce rappel est là, il y a assez de sagesse dans la vie pour s'accrocher à ça. Mais si vous n'avez pas dit un mot jusqu'ici, la personne n'est pas du tout orientée dans cette direction, soudain vous allez leur dire « tu vas mourir », ça pourrait être très cruel et ça pourrait inutilement créer une perturbation qui n'est pas nécessaire pour cette personne. Donc la manière dont ça doit être fait est importante, tout le monde. Voyez, n'essayez pas de créer une situation de normalité autour de cette personne. Tout le monde qui sautille autour, les enfants qui viennent et disent « Mamie, papy, je t'aime, tout va bien ». Ne créez pas cela, même si des enfants sont là. S'ils entrent, ils doivent entrer doucement et être simplement comme ça. Ils doivent comprendre que les situations évoluent. Si vous ne créez même pas cela, vous mettez un film, vous faites ceci, vous cuisinez tous leurs plats préférés, vous savez, sautillez autour d'eux pour leur faire sentir que tout est génial, ce n'est pas comme ça. Ceci est important, il n'y a rien de mal avec la mort, c'est juste une partie de notre existence, c'est juste la façon dont on l'amène. C'est très important, c'est un devoir fondamental des enfants envers leurs parents, que quand leur heure arrive, ils partiront bien. La chose la plus simple, c'est si vous devenez spirituel, initialement, ils vont résister, ils vont avoir du mal, mais après ça, c'est une intelligence naturelle chez l'être humain. Quelqu'un qui a la moitié de mon âge ne se focalise pas sur... Vous savez, les compulsions physiologiques et psychologiques, et ils font quelque chose avec leur vie. Qu'est-ce que moi je fais? Ça va naturellement apparaître chez tout être humain. Donc, si vous faites une quelconque pratique spirituelle ou quoi que ce soit, c'est bien de le faire devant vos parents, même si ça ne les intéresse pas. Oui.
Même s'ils résistent et ne sont pas intéressés, c'est bien de fermer vos yeux et de vous asseoir. Lentement, ça va émerger en eux parce qu'il y a une profonde intelligence en ceci, qui sait que ce n'est pas pour toujours, c'est dans le corps. Malheureusement, ça n'a pas atteint la tête. La question suivante est de Anand Bhushan, de Patma. Namaskaram, Sadhguru. Les agriculteurs indiens sont déjà pauvres et ont des difficultés. Maintenant, avec le virus, des centaines de milliers de migrants retournent dans le village. Cela ne va-t-il pas aggraver la pression sur les agriculteurs et les terres cultivées et créer plus de pauvreté? Y a-t-il une quelconque solution à cela? Eh bien, j'espère que ce mouvement de migrants est un mouvement temporaire. Le seul souci, c'est que si ceci était arrivé au début du confinement, si on avait planifié et organisé ceci au début du confinement, 6 semaines de séjour dans leur village, puis revenir, maintenant ce serait bon pour démarrer toutes les industries et les entreprises. Mais maintenant ça arrive à la fin du confinement. Ce n'est pas très bon. Mais personne ne savait combien de temps le confinement allait durer. Initialement, on a pensé qu'il durerait 15 jours, donc on a essayé de les garder dans les villes et de créer des hébergements et de la nourriture et des travaux. Mais quand au bout de 15 jours, il ne s'est pas terminé, 15 jours, ça allait à tout le monde, mais quand le deuxième confinement est arrivé, ils se sont alarmés, parce que la plupart des travailleurs migrants, en Inde du moins, ne sont que des hommes, c'est une population d'hommes. Leurs femmes et enfants sont à la maison, dans le village. Ils leur rendent visite de temps en temps. Quand la deuxième extension du confinement a eu lieu, c'est alors qu'ils se sont inquiétés. Qu'arrive-t-il à nos femmes et à nos enfants? Parce que beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas payer les factures de téléphone pour être en contact avec leur famille. Là, ils ont voulu partir, ils ont commencé à marcher, beaucoup d'entre eux 200, 300 km. Et certains ont pédalé plus de 1000 km pour atteindre leur village. Maintenant, ils organisent des trains. Mais maintenant, on projette de mettre fin au confinement. Et maintenant, toute la force de travail quitte les villes, ce qui n'est pas très bon. Cela est-il une sorte de problème pour l'agriculture? Non. L'agriculture s'en sortira bien parce que ça a été un problème majeur dans les villages. Il n'y a pas assez de force de travail pour faire quoi que ce soit. Maintenant, si ces travailleurs reviennent, ce sera plus que suffisant ou excessif. Mais tout de même, naturellement, le travail, vous savez, le montant qui doit être payé va diminuer, donc les agriculteurs pourraient en bénéficier, à moins qu'il y ait un afflux total de la population. Non, dans les villes, ça donne cette impression. En allant dans les villages, ils vont se disperser dans des centaines de villages ou des milliers de villages. Donc, ces travailleurs migrants, qui semblent être une force énorme dans les villes, en allant dans l'arrière-pays de l'Inde, ils vont se disperser dans des milliers de villages. Je ne crois pas qu'il y aura un tel afflux, à part peut-être dans quelques villages dans le nord de l'Inde. Donc, ça ne sera pas un problème pour l'agriculture, mais ce sera un problème pour diverses entreprises, foyers, industries, et tout particulièrement l'industrie du bâtiment, qui dépend en majeure partie des travailleurs migrants. Donc, il y a de nombreux défis. Ce n'est pas une situation simple, c'est une situation sans précédent. Le nombre de travailleurs migrants dans le pays est compris entre 120 et 140 millions de personnes. Autant de gens se déplaçant d'un lieu à l'autre est une recette à problème. Malheureusement, 16 d'entre eux marchaient le long des voies ferrées. Ils sont si exténués qu'ils se couchent sur la voie, et un train les a juste écrasés pendant la nuit. Donc ce type de désastres malheureux ont lieu. Mais il y a une certaine résilience dans ce pays qui fait qu'il est capable de se redresser, car notre économie est construite d'une certaine façon. Elle n'est pas dirigée par quelques grandes entreprises ou ceci ou cela, elle est dirigée par 1 milliard d'Indiens. Donc elle a la capacité de se redresser, parce que notre production et notre consommation sont en majeure partie à l'intérieur de la nation elle-même. Eh bien, tout le monde doit réfléchir à des tas de façons ingénieuses et innovantes de faire les choses.
La bonne vieille manière de faire les choses ne fonctionnera plus pour personne. Même pas pour nous ici, à Isha, on va devoir changer beaucoup de choses et innover de bien des façons différentes pour continuer à faire ce qu'on fait. Et tout le monde doit le faire, toutes les entreprises. Eh bien, il se peut qu'un segment des entreprises devienne obsolète, de nouvelles possibilités pourraient apparaître. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est une période de défi à coup sûr. Donc, comme je l'ai dit au tout début du confinement, une préoccupation, c'est que les gens ne tombent pas dans la famine. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Oui, les gens ont eu des difficultés, mais partout, beaucoup d'organismes et les gouvernements des États, tous ont réagi pour s'assurer que personne ne meure de faim. Donc, si on s'assure que cette chose-là n'ait pas lieu, on est tous privés de certaines choses qu'on avait il y a 6 semaines. Je crois que ça va. Je sais que beaucoup de gens vont me jeter des pierres pour ça, mais je crois que ça va. On va vivre avec un peu moins. Ça va parfaitement bien. Ça me va bien, ça devrait aller à tout le monde. On va vivre avec un peu moins que ce qu'on faisait. De bien des façons, les êtres humains ont été dans l'excès. Donc maintenant, un peu moins, c'est OK. Mais on doit s'assurer que personne ne soit affamé, que personne ne manque de l'alimentation de base. Si on veille à cette seule chose, dans quelques mois, ça va repartir. Mais le problème, c'est que toute cette situation liée au virus est très instable pour le moment. On parlait de lever ce confinement le 17. Quand il y a 2 semaines, on en parlait, il y avait moins d'un millier de victimes en Inde. Aujourd'hui, il y en a environ 2300. Et heureusement, ça s'est entièrement cantonné à un segment du pays. Principalement le Maharashtra, le Gujarat, le Rajasthan et Delhi, ce sont les foyers principaux, et malheureusement le Tamil Nadu. Non, c'est malheureux partout, mais ce que je dis, c'est que c'est un cas isolé, eux sont tous connectés. Quand on dit Maharashtra, ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la géographie de ce pays, le Maharashtra, le Gujarat, le Rajasthan, Delhi, sont tous connectés, géographiquement. Ça a lieu là-bas de façon importante. Le Tamil Nadu est tout à fait au sud, mais malheureusement, ça a lieu ici, alors que les États autour n'en ont pas. Ce qui a eu lieu pour certaines raisons. Je pense qu'à un moment, il faudra qu'une étude ou une recherche soit lancée pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, le nombre de victimes s'accroît de jour en jour. Je crois qu'en ce moment, chaque jour, environ 120 à 150 personnes meurent du virus dans le pays. C'est beaucoup mieux que les États-Unis, mais ce n'est ni une consolation, ni une solution. Car quand on va lever le confinement, les États-Unis n'ont pas confiné aussi sévèrement que nous. Malgré le confinement, ça se passe comme ça. Une fois le confinement assoupli, personne n'en sait rien. Donc je veux que vous tous, où que vous soyez, vous compreniez la vraie responsabilité de maintenir une distance sociale et tous les autres protocoles dont on a parlé et reparlé commence réellement à partir du 17. Jusqu'à maintenant, la plupart d'entre nous avons été protégés en nous isolant. Maintenant qu'on doit sortir et que les autres se mettent à aller et venir, c'est là qu'un vrai défi se présente. C'est là qu'à quel point nous sommes responsables et sensés va vraiment compter, après la fin du confinement, quand le processus économique va reprendre. Eh bien, est-ce que ça va échapper à tout contrôle, ou que va-t-il se passer? On va voir. En termes d'avantages et d'inconvénients, les gens comparent toujours ça à la grippe espagnole qui a eu lieu, vous savez, en 1919, et qui a tué plus de 50 millions de personnes. Entre 12 et 17 millions de personnes sont mortes rien qu'en Inde. La grippe espagnole, pourquoi est-elle arrivée en Inde ? Elle n'a pas commencé en Espagne, elle a été appelée comme ça parce que, après la Première Guerre mondiale, il y avait tellement d'échanges à cet endroit, et elle a éclaté là-bas, puis elle s'est répandue partout. Mais il ne faut pas comparer ceci à la grippe espagnole, parce que la grippe espagnole a principalement tué les gens de 20 à 40 ans.
Celui-ci tue des gens qui ont généralement plus de 65 ou 70 ans, ou d'autres populations vulnérables qui ont certains problèmes inhérents à leur système. Et une autre chose, c'est que l'inconvénient de celui-ci, c'est qu'il ne tue pas aussi rapidement que la grippe espagnole, mais il se transmet sans symptômes. Avec la grippe espagnole, dès que vous l'attrapiez, ça se savait, personne ne vous approchait. Mais à cette époque-là, on n'avait pas d'antibiotiques. Maintenant, on a toute une variété de médicaments, même si on est infecté, il y a une façon de gérer la chose. Donc on ne parle pas de ces niveaux de mortalité dans le monde. Mais à quel degré nos activités seront-elles handicapées? C'est une question. Eh bien, tout un tas de gens disent, vous savez, toutes sortes de gens s'emparent du jargon scientifique pour dire qu'on va développer une immunité collective. Dites, immunité de troupeau. Voyez, pour développer une immunité de troupeau, il faut qu'environ 60 à 70% de la population soit infectée. Si cela arrive, nous allons balayer une tranche importante de la population âgée. Les gens de plus de 75 ans, cette population-là sera quasiment décimée dans le monde. Et peut-être aussi les bébés de moins d'un an, et tous les gens vulnérables, ceux qui ont eu des greffes, des gens avec des problèmes cardiaques, les diabétiques, et un tas d'autres choses qui rentrent dans cette catégorie. Donc, toute la population vulnérable, nous allons la décimer. Donc, l'immunité de troupeau n'est pas vraiment une solution en ce sens, parce que ça veut dire qu'on décide. Le mot troupeau lui-même est quelque chose que je ne supporte pas quand on parle des êtres humains. L'immunité de troupeau, on en parle chez les animaux. On est en train de parler de la même chose chez les êtres humains, parce que le virus est venu des animaux, et tout ça. Mais ça va décimer la population vulnérable si vous envisagez d'avoir un taux d'infection de 70% à travers le monde. Donc comment l'arrêter? Personne n'en a aucune idée. La seule chose, c'est qu'on a quelques idées sur comment le ralentir. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est comment optimiser l'immunité de votre système. On peut vous donner un protocole pour l'entretenir à l'ashram dans les 3 prochains jours. On va vous dire comment améliorer votre immunité au-delà de son niveau actuel. Car à partir du 17, il se peut que des gens de l'extérieur commencent à arriver, des échanges vont avoir lieu, nous allons les minimiser. Mais ça reste inévitable, on ne peut pas rester fermé pour toujours. Cela est vrai partout. Donc, c'est important, certaines petites choses. Une chose est le maintien strict de la distanciation sociale. Cela doit devenir votre religion. D'accord? Ça, c'est si vous êtes religieux, autrement, ça doit devenir votre sadhana. Eh bien, au centre de yoga, tout le monde avale une boulette de neem le matin, neem et curcuma. Donc, dans les 2 prochains jours, la boulette verte va disparaître, seule la boulette de curcuma sera là, mais il va y avoir des feuilles de neem. Donc, avant de commencer votre sadhana du matin, vous devez prendre 8 à 12 feuilles et les mettre dans votre bouche, les mâcher et les garder en bouche. Il est très important qu'elles soient dans votre bouche. Leur efficacité est maximale quand elles sont dans votre bouche. Donc, vous devez les garder en bouche, les mastiquer pendant 1 à 2 heures, les garder là sans les rincer ni les avaler, gardez-les juste en bouche, faites votre sadhana avec, où que vous soyez. Quoi? Non, j'essaie juste d'éviter la mauvaise haleine dans le hall de sadhana. Donc, où que vous soyez, du moins dans ce pays, trouvez des feuilles de neem, vous pouvez le faire. Il se peut qu'il y ait d'autres herbes et autres dans d'autres pays où il n'y a pas de feuilles de neem, mais mieux vaut que vous trouviez vous-même. Je ne veux pas suggérer quelque chose, je ne suis pas très renseigné là-dessus. Des boulettes de curcuma à préparer chaque jour, si vous avez du curcuma bio, on travaille là-dessus. D'ici 1 mois, probablement, on aura un stock de curcuma bio à maturité, qui sera peut-être un peu plus cher que le curcuma ordinaire, mais c'est l'idéal comme ça. Tous les jours, vous prenez ça le matin et
Vous le laissez dans l'estomac une heure avant d'avaler quoi que ce soit. Ça fera des merveilles pour vous. Et le Nilavembu Kashayam qu'on distribue partout dans les villages ici, aux travailleurs et à tout le monde, aux travailleurs migrants et tout ça, une chose qu'on a remarqué, c'est que dans cette partie du Tamil Nadu où l'on travaille, il n'y a pas eu un seul cas ces deux derniers mois. Pas un seul cas. Une chose, c'est une application efficace de la distanciation sociale par nous et les autorités. Et le Nilavembu Kashayam et quelques autres choses qu'on fait. Donc si vous maintenez ces protocoles, très simplement, vous pouvez renforcer votre système immunitaire, parce qu'au bout du compte, c'est le seul levier que vous ayez. Une autre chose, c'est la saison de l'amla, c'est-à-dire du nalikai pour les Kannada, le nalikai amer. Donc en ce moment, c'est la saison. Pas ces énormes, vous savez, amla de la taille d'une balle de golf, ça c'est de l'amla hybride, ça aussi ça va si vous ne trouvez rien d'autre. Mais autrement, ce qui pousse sur les collines ne fait que cette taille. Vous écrasez simplement un amla et y ajoutez un peu de sel et vous le mâchez. Vous devez le garder en bouche et c'est plus efficace encore une fois dans votre bouche. Il faut que ça reste dans votre bouche pendant une heure ou deux. Ces choses simples vont beaucoup renforcer votre système immunitaire, et boire de l'eau chaude environ 4 à 5 fois par jour, juste de l'eau chaude, où vous pouvez y mettre un peu de coriandre ou de menthe, ou y ajouter une pincée de curcuma, ou même un peu de jus de citron, et boire ça régulièrement. Et dans vos espaces de vie, les espaces où vous marchez, les espaces que vous utilisez, vaporisez du Lysol, ne le buvez pas, ne l'injectez pas. Et ceci va avoir lieu ici, au centre de yoga. On réfléchit à comment les loger et quoi faire. Ça va peut-être sembler un peu inconfortable pour beaucoup d'entre vous, mais vous devez le faire. La population vulnérable à l'ashram va être séparée de la population plus jeune. Il est très important que ce soit fait, parce que ce qui pourrait être tout à fait OK pour un jeune pourrait être fatal pour une autre personne. Donc, nous voulons séparer la population vulnérable. Ce travail est en cours, vous devez faire ça chez vous aussi. S'il y a des personnes au-delà d'un certain âge ou si elles ont une maladie qui les rend vulnérables, il est important que vous vous sépariez clairement d'elles. Combien de temps? On ne sait pas. Personne ne le sait. Il n'y a que des suppositions. En ce moment, si vous regardez la façon dont la grippe espagnole a eu lieu, elle a commencé au mois de janvier, elle a fait quelques dégâts, mais la deuxième vague a eu lieu en août-septembre. C'est là qu'elle a touché le maximum de gens. Donc, certains médecins et scientifiques estiment qu'une deuxième vague va avoir lieu entre octobre et décembre dans la plupart des pays. Est-ce que ça va avoir lieu en Inde ou pas? Est-ce que ça va avoir lieu dans toute l'Inde parce que les conditions climatiques sont très différentes d'un endroit à l'autre ici, dans ce pays? Aux États-Unis aussi, ce sera peut-être le cas. La façon dont ça va se passer dans le sud du pays et dans le nord, la façon dont ça va évoluer, ça pourrait être différent. On ne le sait pas avec certitude, parce qu'ils ont montré qu'ils sont capables de survivre à toutes sortes de temps. On espérait qu'avec l'arrivée de l'été, ça s'atténuerait, mais ce n'est pas ce qui se passe. Maintenant, on a un nouvel espoir. Avec l'arrivée de la mousson, ça va s'atténuer. C'est juste un espoir. Le virus pourrait apprendre à prospérer dans toutes ces conditions. Il n'y a pas, à vrai dire, il n'y a aucune preuve que ça va effectivement s'atténuer. Donc quand la deuxième vague va arriver, quand on va relâcher notre vigilance et commencer à reprendre nos activités et que la deuxième vague va arriver, c'est là que l'humanité pourrait le payer très cher. Donc c'est pour ça qu'on veut séparer la population vulnérable. Chacun d'entre vous, chez vous, si vous avez des personnes dans ce cas, vous devez maintenir une distance nette, une distance absolue. Combien de temps? Malheureusement, on ne sait pas combien de temps. Personne ne sait combien de temps. Tout le monde fait des hypothèses. Ne faites pas d'hypothèses avec la vie des gens. En ce qui concerne les travailleurs migrants et tout ce qui a lieu, ils n'ont pas tous à revenir en ville, si vous voulez mon avis.
J'ai parlé avec des milieux d'affaires et, vous savez, des entrepreneurs du monde entier. Hier, on avait un événement avec TIE, aujourd'hui avec une chaîne d'information. Donc c'est quelque chose que j'essaie constamment de faire passer. C'est ce qu'on fait depuis 15-20 ans. Beaucoup de gens écoutent, quelques actions ont eu lieu, mais pas assez d'actions. Le constat simple est juste celui-ci. Les statistiques disent qu'environ 27% des investissements mondiaux ont lieu dans seulement 31 ou 32 villes, ou 36 villes, je crois. Quand 27% de la richesse mondiale est concentrée dans seulement quelques villes, pourquoi les gens n'iraient-ils pas là? Naturellement, c'est là qu'ils vont aller. On estime que dans les 10 prochaines années, avant ce virus, on estimait que dans les 10 prochaines années, environ 1,6 milliard de gens vont migrer dans le monde. Je veux que vous imaginiez l'horreur liée à ça. 1,6 milliard de gens entraînant leurs femmes et leurs enfants et, vous savez, ramassant leurs affaires et quittant des endroits où ils ont vécu pendant des générations, des centaines d'années, et partant ailleurs. Les atrocités qu'ils traversent ne sont pas croyables. En Inde, on estime que 220 millions de personnes vont migrer dans l'Inde rurale vers l'Inde urbaine. Eh bien, ceux d'entre vous qui vivez en ville, je veux que vous imaginiez, disons 10 villes indiennes, 220 millions de personnes, même si vous voulez répartir uniformément, ce qui ne sera pas le cas, vous pouvez imaginer le sort de ces villes. Donc, une chose importante qui doit avoir lieu, c'est que les investissements doivent se répandre. Cette façon de construire l'industrie sur le mode de Manchester, parce que c'est là que ce système de production de masse a démarré et ils l'ont exporté partout, tout doit être fait dans un seul endroit, tout le monde doit venir travailler dans un seul endroit, ceci doit disparaître. En ce moment, tout un tas de gens parlent de télétravail et de choses comme ça, mais cela n'est valable que pour une certaine tranche de gens qui font un certain type de travail, mais les autres doivent aller quelque part. Mais ce quelque part n'a pas forcément à être concentré dans une seule ville, cela doit s'étaler. Si on ne se concentre pas là-dessus, si dans les 700 et quelques districts de ce pays, on ne répartit pas l'industrie, même si c'est un peu difficile au début, si on ne fait pas ça, les migrations vont dégénérer. Une autre chose est l'agroforesterie. L'agroforesterie est un moyen sûr d'arrêter les migrations, parce qu'une des raisons pour lesquelles les migrants bougent, c'est que chaque fois qu'il y a une sécheresse sur les terres agricoles, ça arrive tous les 5, 6 ans ou 8 ans, il y a une grande sécheresse. Quand cela a lieu, des vagues de migration vont avoir lieu. Les gens vont quitter leurs terres et aller en ville, et ne reviendront jamais. Si vous avez des cultures de long terme sur vos terres, si vous avez des arbres sur vos terres, vous n'allez pas partir en quittant vos terres, parce qu'il y a de l'argent qui se tient là. Donc l'agroforesterie est un des meilleurs moyens d'arrêter les migrations vers les villes. Si on ne fait pas ça maintenant, nos villes vont devenir invivables, pas seulement en Inde, quasiment partout dans le monde. Cette migration, si ce milliard et quelques de gens commencent à aller s'empiler dans une ville, personne ne peut vivre bien. Cette idée de concentrer la population est même un terrain fertile pour une future pandémie. Habituellement, on aime bien appeler ça un village global. Si c'était un village global, je vous le dis, le virus serait assez inoffensif, mais c'est une ville. La ville de Wuhan, elle-même, est censée avoir 11 millions d'habitants. Et combien de villes de plus de 10 millions d'habitants dans le monde? Il y en a trop. Pourquoi 10 millions de personnes se sont-elles rassemblées au même endroit? Est-ce parce qu'ils sont amoureux les uns des autres? Je ne crois pas. C'est simplement parce que les opportunités économiques sont toutes concentrées au même endroit. Il faut que ça s'étale. Si on ne les étale pas, pas seulement en Inde, dans le monde entier, les possibilités économiques doivent s'étaler géographiquement. C'est très très important. L'agroforesterie est une étape importante en ce sens. Avons-nous le temps? Ok, dernière question. Cette question est de Aouti. Namaskaram Sadhguru. Les femmes sont socialement conditionnées pour se protéger depuis leur enfance. Dans un de vos discours, vous avez aussi mentionné que l'instinct de survie est plus fort chez elles.
Cet instant de conservation qu'a une femme peut-il être un obstacle pour elle sur son chemin spirituel? Cela s'est passé à Alandurai. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, Alandurai est un village à environ 12 km d'ici, où nous sommes. À vrai dire, il porte le nom d'un Anglais qui chassait dans cette région, un chasseur d'éléphants. Il s'appelle Alan. Et à cette époque, vous deviez les appeler maîtres. Tous les Anglais, les locaux devaient les appeler maîtres. Donc, dans la langue locale, ça se dit Durai. Donc, c'est Alandurai. Et c'est devenu Alandurai. Donc, à Alandurai, deux ânes se rencontrent. Des vrais. Je veux dire, ceux avec quatre jambes. Au cas où vous pensez que je suis méchant, non. De vrais ânes se rencontrent. L'un est très bien nourri et se porte bien. Un autre arrive et il est maigre et a une allure assez pathétique. Alors ils se mettent à discuter et ils se posent des questions. Ils n'ont pas de problème de virus, donc ils parlent de leur propre vie. Donc, l'un demande à l'autre, « Pourquoi es-tu coincé avec ce travail chez ton propriétaire ?»« Regarde, je me suis enfui de chez mon maître, je suis indépendant, je vais manger ce que je veux, regarde un peu comme je suis, regarde-toi, une créature pathétique. » Alors, l'autre âne dit, « Oui, mon maître est un homme cruel, il me donne à peine à manger, il me bat, il abuse de moi. » Utilise toutes sortes de gros mots, il abuse même de ma mère. C'est une habitude fréquente, vous savez. Alors, l'âne bien portant dit, « Pourquoi ? Pourquoi es-tu avec cet homme ? Pourquoi ne viens-tu pas ? Viens avec moi, partons. » Il répond, « Vois-tu, il a aussi une jeune fille. Il abuse aussi d'elle de la même façon. Il n'épargne pas sa mère non plus. Et il la bat aussi avec le même bâton avec lequel il me bat. Et il la menace constamment. Si tu ne te conduis pas bien, un jour je te marierai à cet âne. » Donc, mon boulot est plus prometteur. L'instinct de survie est quelque chose de très fort. Il n'y a pas que les femmes qui l'ont. Quand vous créez des situations où elles peuvent être vulnérables physiquement, alors bien sûr, l'instinct de préservation d'une femme devient très fort. C'est pourquoi créer un lieu civilisé où sa faiblesse physique ne... Quand je dis faiblesse, je ne veux pas dire faible, faible dans ce sens, je parle de faiblesse musculaire, comparée à un homme, joue pas contre elle, c'est très important. C'est pourquoi un lieu spirituel est créé de telle façon qu'une femme n'a pas besoin de se demander si elle est un homme ou une femme, elle peut juste faire comme elle veut. C'est très important, parce que si vous créez un espace où elle est physiquement menacée, naturellement, elle va devenir très consciente de sa survie. Donc, c'est l'affaire de chaque civilisation, c'est l'affaire de chaque société, de créer une situation où ceux qui sont physiquement faibles, les enfants ou les femmes, ou même les hommes qui sont physiquement plus faibles, ne se sentent pas vulnérables, c'est très important. Eh bien, tout un tas d'hommes qui travaillent dans des bureaux, s'ils croisent ces molosses qui traînent au coin de la rue, ils vont aussi se sentir... Toute spiritualité va les quitter.
Ils vont aussi sentir leur instinct de survie se réveiller, parce que c'est naturel pour tout le monde. Mais comme une femme est vulnérable de bien des façons différentes, à cause de cela, il est très important de créer des sociétés où il n'y a pas de menace physique à son existence ou à sa dignité de base. Si on prend soin de cela, eh bien, l'instinct de survie fonctionne de la même façon chez tout le monde. À vrai dire, j'ai toujours remarqué que dans les étapes initiales de la croissance spirituelle, les femmes avancent toujours très rapidement. Les hommes sont, vous savez, ils essayent de mettre 2 plus 2 ensemble, mais leurs mathématiques ne sont pas... leurs connaissances mathématiques ne les aident pas à assembler 2 plus 2, ils luttent et luttent et luttent, mais ils vont atteindre un niveau moyen et les femmes, elles, vont être un peu distraites ici et là. C'est arrivé avec Gautama. Vous, comment s'appelle-t-elle? Un très joli nom. Comment s'appelle la disciple de Gautama? Comment s'appelle-t-elle? Sangamitra. Donc, Sangamitra se disputait avec Gautama. Pourquoi n'autorises-tu pas les femmes à devenir moines? Elles aussi devraient devenir moines. Gautama, il est, vous savez, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il ne l'était pas. Il se moque de l'opinion des autres. Donc il dit, vois-tu, si je n'ai que des moines hommes, cet ordre vivra 2500 ans. C'est ce que je prévois. Ça fait 2500 ans maintenant, toujours vivant. Mais si j'autorise les femmes, il mourra en 500 ans. Alors elle demande, pourquoi ça? Alors il répond, si il n'y a que des moines hommes ici, vous pouvez toujours les attirer vers l'état de Bouddha, c'est-à-dire une qualité. Mais si vous autorisez la femme ici, au départ, elle ira vers l'état de Bouddha, ensuite elle ira vers le Bouddha. Donc lui faire passer cette étape intermédiaire est un travail un peu difficile. Mais si elle dépasse cela, alors quand il s'agit d'un sens de l'abandon, une femme a un plus grand sens de l'abandon qu'un homme. Cela demande beaucoup plus à un homme d'atteindre un sens d'abandon, parce que quand il en arrive là, son instinct de préservation est plus fort que celui d'une femme. Dès qu'une femme se sent bien protégée, elle en arrive facilement à un sens d'abandon. Regardez juste ce qui avait lieu traditionnellement, ou même maintenant. Faites ceci. Mariez un homme et envoyez-le vivre dans la maison de sa belle-famille. Vous verrez à quel point il va en baver. Parce qu'il est incapable de se fondre dans quoi que ce soit, il doit être comme ça. Elle y va, s'ils sont gentils, elles se font complètement dans cette maison. Plus que les personnes qui y ont vécu jusque-là. Oui, c'est ce qu'elle fera. Parce qu'elle sait effacer ses frontières et se fondre dans ce quoi elle s'implique. Donc ce n'est pas la bonne façon de voir ça, c'est juste que la vulnérabilité physique est de toute évidence plus élevée chez une femme. Donc créer des sociétés où cela n'est pas exploité est extrêmement important. C'est à cause de cette vulnérabilité physique que toutes sortes de blagues sont faites dans le monde sur le fait qu'une femme ment toujours sur son âge ou des choses comme ça. Ceci est arrivé. Je crois qu'il est temps de créer une version féminine de Shankaran Pillai. Ok, elle va au casino. Elle n'a pas encore de nom. Elle va au casino et n'arrête pas à la roulette. Elle n'arrête pas de perdre.
Alors, le gars qui dirige le jeu lui dit, « J'ai vu ça marcher plein de fois. Pourquoi ne pariez-vous pas à votre âge ?» Elle dit, « Ok, 29. » Elle mise et la roulette s'arrête sur 42. Elle s'est juste évanouie. Parce que l'âge est une vulnérabilité physique, c'est pour ça. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, maha,